night low. I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Réveillée un petit peu en fanfare ce matin. Enfin, surprise. Je me lève à 6h30, je vois que Luna... Attention, un petit point dégueu du matin. Je vois que Luna, elle a vomi. Et je sais pas, enfin il faisait noir dans le... Il était 6h30, mais les lumières et tout étaient encore fermées en bas et tout, donc je voyais pas très bien. Mais je vois que... une grosse tache noire. J'avais pas vu au début que c'était du vomi. Je vois une grosse tache noire... J'allume la lumière et là je vois en fait qu'elle avait vomi et qu'il y avait un nid, mais alors de fourmis tout autour du truc. Du coup je crie après Greg, au secours ouais, en fait on voyait les fourmis. Je vous ai dit qu'on était embêtés avec des fourmis dans la maison. On pensait commencer à l'éradiquer, mais là ce matin je me suis dit oh là là non non, il est bien là. Et en fait on a vu le nid, où est-ce qu'il allait, parce qu'on les voyait, ça faisait une ligne. En fait elle allait de leur nid à leur truc. Et en fait le nid se retrouve en dessous de l'escalier. Alors il y a un petit trou au niveau de la plinthe quoi en fait, et elle rentre dans cette plinthe et je sais pas où est-ce qu'elle va en dessous. Mais bref, du coup j'ai un an là, je peux pas, hein, moi je ça me dégoûte quoi en fait au plus haut point. Et puis la nuit j'ai l'impression qu'elle, quand je les vois comme ça, je fais des cauchemars la nuit comme si qu'elle venait sur moi, j'ai l'impression de sentir qu'elle monte. Enfin bref. Donc du coup elle est partie voir, parce que les boîtes là qu'on avait achetées c'est de la snoot. Ça ne fonctionne pas. Et il y en avait une de vous qui m'avait parlé d'un produit gel. Alors j'ai regardé pour le commander, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas avant le 24. Et moi là je peux pas rester avec en sachant ça quoi en fait jusque là. Donc il est parti voir à Leroy Merlin si comme il est ouvert, s'il n'y a pas un truc en gel comme ça, ou peut-être cette marque là aussi, pour essayer d'éradiquer ce nid quoi en fait. Hein. Parce que alors j'ai essayé hein, tout ce que vous m'avez donné, j'ai essayé la cannelle, j'ai essayé la farine, j'ai essayé le bicarbonate, j'ai essayé les feuilles de ceux de laurier et tout. Ce qu'il y a c'est que bah, elles sont là, elles sont voilà, donc elles vont plus à cet endroit là mais elles se déplacent et elles vont ailleurs quoi en fait. Là elles avaient trouvé, Angel avait des harlequins dans sa chambre et ils avaient trouvé les harlequins dans sa chambre quoi en fait. Elles montent, le nid est en bas et elles montent, elles s'infiltrent de partout. Donc là c'est vraiment un truc pour les tuer quoi en fait, qu'il me faut pour éradiquer le nid, parce qu'elles vont de partout. Et moi franchement ça me dégoûte au plus haut point, parce que j'ose même plus laisser des trucs parce que je me dis elles vont aller dessus. J'ai tout le temps peur. Alors heureusement que moi tout est dans des boîtes fermées comme mon sucre et tout, parce qu'autrement elles iraient dedans quoi en fait. Donc ouais. Bref, Greg est parti voir ça, j'espère qu'il va en trouver, parce qu'autrement je risque de pas bien dormir cette nuit, si c'était en haut sur le palier qu'elle avait vomi, et du coup on les voyait qu'elle montait tout le long de l'escalier, tout le long, voilà, et puis on les voyait, on les suivait à la trace quoi en fait, ça faisait une ligne noire. Bref, donc ça, premier truc. Ensuite, je check mon compte pour voir cette histoire-là de caution, voir s'il y a eu un petit changement, quoi. Toujours rien. Mais je vois que j'ai un prélèvement Kitok. Et je me dis, mince, j'ai pas fait de commande Kitok. Je regarde sur mon truc et en fait, j'ai oublié de désactiver. Donc, c'est de ma faute. Hein. J'ai oublié de désactiver une livraison. Donc, il m'envoie un colis la semaine prochaine. J'avais déjà fait tout mon menu, toute ma commande pique-nique. Heureusement, j'avais plus qu'à la valider. Toute la commande était faite. Mais du coup, j'ai pu tout changer ce matin, tout changer mon menu, retirer tout ce que j'avais pas besoin du coup de ma commande Kitok. Enfin bref, voilà. Ça va, j'ai regardé les recettes, c'est des recettes qui vont nous plaire. Donc j'avais un peu peur de ça, mais ça va. Bon après, c'est pas grave, hein, ce seul truc, c'est que... Voilà quoi.
J'avais prévu mon menu, c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Donc du coup, là cette semaine, je vais vous faire le retour de course comme je vous avais dit. Mais du coup, la semaine prochaine, vous l'aurez pas, puisque il y aura un kitok, donc ça sera un petit peu chamboulé. Alors justement pour ça, ce que je vais faire, c'est que le menu, la liste de courses, le menu, vous l'aurez la vidéo de lundi. Donc lundi, il n'y aura pas de vlog et il y aura cette vidéo-là. Alors allez voir et dites-moi si, si vous aimez ce concept. Je vous ai dit, j'ai changé un petit peu, enfin voilà. Dites-moi si vous aimez ce concept et puis peut-être qu'il y en aura un petit peu plus souvent du coup sur la chaîne, ce genre de contenu. Voilà, bon allez, je vais me finir mon café et puis je vais attaquer un petit peu de ménage. Je me suis brûlé le palais hier avec le parmentier de canard et j'ai une cloque au palais. Du coup, ça me gêne. J'arrête pas de... On a une belle journée aujourd'hui. Positif. Hein. Bon, après, en soi, c'est pas grave. Parce que comme j'ai dit à Greg, on a vu où est-ce qu'il était le nid. Du coup, on va pouvoir traiter là. Et puis, pour Kitok, voilà, c'est arrangé. Hein. C'est pas... C'est des petites broutilles, quoi. Je voulais vous montrer un truc. Alors, vous savez que j'utilise tous les produits Everdrop dans mon ménage de tous les jours. Et là, j'allais faire ma petite routine du matin. Et la petite routine du matin, j'en ai un petit coup sur tout ce qui est robinetterie et tout pour éviter que ça s'entartre vite. Nous, on a une eau qui est extrêmement calcaireuse par chez nous. Et vous le faites pas une fois la... Enfin, je vais vous le montrer là sur le truc de douche, la robinetterie de la douche, c'est déjà des blancs de calcaire quoi en fait. Là, on a pris une douche ce matin et Stacy a pris une douche hier soir avec Angel. Et en fait, là, on n'a pas nettoyé la robinetterie entre deux. Je ne l'ai pas nettoyée hier soir parce qu'ils ont pris leur douche une fois que j'étais montée. Et ce matin... Voilà, je vais la faire maintenant. Donc je voulais vous montrer l'efficacité des produits sur la robinetterie. Parce que c'est vrai que je vous en parle tout le temps, mais je ne vous montre pas leur efficacité. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, c'est le produit sel de... Je ne sais pas si vous allez voir, mais ouais, si vous voyez l'état de la douche. Ah, là, vous voyez bien. L'état de la douche en une fois, quoi, en fait. Hein, juste bah, enfin, en quatre douches, on va dire. Donc là, je vais pulvériser du coup le produit. Voilà, on voit déjà que c'est en train de faire son petit effet. Youf ! Je fais tout ça à une main, c'est pas évident. Alors, je prends un chiffon. Voilà, alors, c'est juste un chiffon blanc, hein, un petit chiffon, hein, vous voyez, comme ça. Alors, déjà, regardez sur... Ça a retrouvé tout son brillant. Tout propre. Là, je vais faire les... Alors, j'essaie de faire... Alors, avec une seule main et à contre-jour, c'est pas forcément évident. Enfin, je vois le retour écran, en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'efficacité. Non, c'était bien, bien entartré, hein. Ouais, allez, je vais finir et je vous montre. Parce qu'avec une main, c'est pas évident. Et voilà, une douche toute propre. Alors franchement, moi je les adore ces produits. Je n'utilise que ça. La lessive aussi. Pour le blanc, elle vous donne un blanc, mais blanc. Alors j'ai eu, faudrait que je vous montre, sur mes draps. En fait, quand je mets de l'auto-bronzant, je sais pas si ça vous fait ça aussi, hein, mais ça décolore sur mon oreiller. Alors en plus, moi j'ai des têtes d'oreiller, enfin tout est blanc, beige chez moi, donc jusqu'au drap. Et du coup, ça se voit fort, ça fait des taches, comme si je m'étais pas démaquillée, vous voyez, de fond de teint. Et ben, tout s'en va et mon oreiller ressort nickel à chaque fois quoi en fait. Alors pour ceux qui connaissent pas Everdrop, depuis le temps que je vous en parle vous devriez connaître, mais pour celles qui connaissent pas Everdrop, c'est une façon écologique de faire le ménage. Vous achetez un kit de base qui est composé de la bouteille et des recharges. C'est des vraies recharges écologiques sous forme de poudre ou de petites pastilles, voilà, et vous rechargez ensuite
vos bouteilles. Donc moins de plastique à la poubelle, moins de déchets. Les produits sont des produits naturels, bons pour votre santé et meilleurs pour l'environnement. Donc on adhère. Voilà. Donc je vais vous montrer les petites recharges, mais franchement là, le produit à la base, c'est juste une petite pastille qu'on vient mettre avec de l'eau. Une petite pastille effervescente qu'on vient. Alors on met de l'eau jusqu'à 1 cm du petit logo. Pouf. Et puis on met la petite pastille. Alors moi je vous montre. Dans un petit emballage comme ça en papier craft. Hop. Et alors je vous en prends une. Ça fait une pastille comme ça. Donc ça représente une bouteille de produit. Et comme je vous l'ai dit, enfin vous l'avez vu par vous-même, hein, c'est vraiment très 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 efficace. Alors je vous conseille la lessive à 1000%. Les produits, enfin tous ces produits ici. Le produit toilette et WC est revenu aussi. Même Greg. Alors c'est un mec, franchement les produits d'entretien il s'en fout complètement. En fait c'est moi qui les utilise, on va dire. Enfin je veux dire, ils sont moins... intéressés que nous, moins enthousiastes que nous à tout ça. Mais pour les toilettes, il m'a dit qu'en fait, il préférait utiliser celui-là parce qu'il a des enzymes à l'intérieur. Alors, à ce qu'il m'a expliqué, les enzymes, c'est ce qu'on met dans les fosses septiques pour éviter. C'est ce qu'on mettait dans les fosses septiques, ça faisait des petits sachets en fait qu'on mettait. C'est des. Comme des probiotiques ou je sais pas quoi. Enfin là c'est des enzymes. Enfin bref, j'y connais pas grand chose. Hein. Mais qu'on mettait dans les fosses septiques et ça vient se nourrir des déchets. Ça empêche les mauvaises bactéries. Ça fait que l'endroit est un environnement sain quoi en fait. Parce que ces enzymes mangent les mauvaises bactéries. Enfin voilà. Et il m'a dit du coup, quand tu mets ça sur tes parois de toilette, ben ça désinfecte correctement, mais en tuant les mauvaises bactéries et en gardant les bonnes bactéries. Je sais pas si voilà. Et du coup il dit quand il y a des trucs sur les canalisations et tout qui viennent s'accrocher ou quoi, et ben en fait ces enzymes vont venir les manger, donc ça évite les bouchons dans les toilettes. Voilà, donc du coup il veut continuer avec ça. Lui c'est plus le côté technique, moi c'est juste le côté efficacité, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça avec le produit WC. Donc voilà, bref, je vous conseille les produits à 100%. Testez. Alors si vous devez en tester un au début, peut-être la lessive, j'adore. Pourtant, j'étais une adepte aux produits caca beurre lessive. Hein, et vous saviez que moi, je prenais les 4 trucs pour être sûre que mon linge sente le machin et tout. Mais là, en fait, vous avez un linge qui reste bien blanc, propre. Les taches s'en vont nickel. Voilà. La lessive, les produits comme ça, enfin franchement je suis adepte de tout quoi en fait. Tout ce que j'essaye à chaque fois, parce que j'ai pas tout essayé d'un coup comme ça, hein, mais tout ce que j'essaye à chaque fois, ou tout ce que la marque me fait découvrir aussi, parce qu'il y a deux mois c'est la marque qui m'envoie, et ben à chaque fois je me dis trop bien. Et je deviens cliente quoi en fait du produit, parce que je... voilà. Bref, j'ai un petit code promo si ça vous intéresse, il est valable tout le temps peu importe le nombre de commandes que vous faites, donc n'hésitez pas à l'utiliser et à tester les produits. Vous avez vu l'efficacité, voilà. Bon, alors du coup j'ai fait ma salle de bain, non j'ai pas fini, je vais aller faire mes vitres. Ah, et leurs produits aussi, leurs petites lingettes et leur éponge, c'est tip top aussi. Là c'est une petite microfibre Everdrop. Alors les microfibres on en trouve de partout. Il y en a, c'est des katas, et il y en a, elles sont top. Et celle-là je peux vous dire qu'elle est vraiment top pour les vitres. Ça enlève vraiment toutes les petites traces qu'on a sur les vitres. Même limite sans produit quoi en fait. Hein. À sec, ça fonctionne très très bien aussi. Mais avec le produit, quand c'est un peu gras ou quoi, ben, ça ne doit vraiment pas être les seuls à être embêtés avec les fourmis cette année. Parce que Greg a été à Leroy Merlin, le rayon est complètement dévalisé. Et du coup, il a été à Leclerc. Et il a trouvé le petit flacon... qu'une de vous me disait là, le petit tube rouge gel, parce que j'avais regardé pour le commander sur Amazon, mais je vous l'ai dit pas avant le 24, donc j'avais dit moi tant pis si vraiment je vais le commander. Et là voilà, il a trouvé, et en plus il est moins cher, il est à 4€ des brouettes, alors que sur Amazon il devait être à 8 et des brouettes. Donc cool, on va tester ça, on verra bien si ça fonctionne. Alors là je suis en train de préparer, enfin de regarder pour le ménage de la...
le ménage de zone. Je suis en train de regarder ce que j'ai à faire. Vous allez entendre la machine à laver et le sèche-linge parce que je suis en train de nettoyer tout ce qui est couette. Enfin, je vous l'ai dit, hein, je commence un petit peu à la fois à enlever les couettes pour avoir que les couettes mi-saison. Je vous avais expliqué, hein, nous c'est un système de deux couettes qui fait une couette hiver. Donc j'enlève la couette été pour faire juste une couette mi-saison. Je la lave, comme ça elle est propre pour la remettre cet été. Donc là je suis en train de faire la chambre à Stacy. Je fais un petit peu à la voix parce que autrement je me retrouve avec du linge blindé. Ce que je voudrais faire aussi, c'est mes vitres et mes rideaux et mes tentures. Donc là c'est pareil. Faut que c'est de la lessive, donc je vais faire pièce par pièce, mais bon j'ai tout ce week-end pour le faire, donc un petit peu à la fois. Là je vais faire mon cheesecake au daim, ça y est, je me suis enfin décidée. Alors c'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais oublié d'acheter les biscuits nature, vous voyez, style petit beurre, pas les bretons, enfin voilà ce que vous utilisez d'habitude pour faire vos cheesecakes. Donc j'avais oublié d'acheter ça. Quand j'ai voulu aller les chercher, aller chercher mes fruits dans un magasin lambda et j'étais au primeur donc il n'y avait pas de biscuits. Greg devait aller les chercher, il a bien été les chercher mais il les avait laissés dans son sac. Donc du coup il est parti au travail avec le paquet de petits beurre. Alors on y va pour ce cheesecake au daim. Alors je vais partir sur la base du cheesecake que je fais d'habitude. Le seul truc c'est qu'on va faire quelques petits changements. Donc c'est les cheesecakes au varoma de Cookie Doux. Oh, la pub. On va attendre que ça passe. Voilà, allez, ignorez là. Hop là. Donc oui, donc c'est cette recette ici. Hop, par contre je vais la transformer parce que nous c'est au daim qu'on veut. Et alors je m'inspirais des cheesecakes au daim qu'on avait acheté dans le commerce. Il y avait des petits morceaux à l'intérieur du biscuit et il y avait au-dessus comme un nappage chocolat daim au-dessus. On va essayer de trouver un truc. Alors c'est un essai, hein. On va voir ce que ça donne. Alors au niveau des ingrédients dans ce cheesecake, il faut pour le crumble, donc pour le biscuit, il faut 30 g de beurre, 40 g de spéculoos, 45 g de boudoir. Moi je vais mettre 35 g de beurre, mais je vais mettre des petits beurres parce que je veux pas que ça cache le goût du daim. Je vais voir, mais je vais rajouter, je vais mettre 45 g de petit beurre à la place du coup des spéculoos et des boudoirs. Et dedans, j'aimerais bien rajouter des daims que je vais mixer un petit peu pour avoir le petit côté croustillant caramélisé des daims. On va faire ça déjà. Alors, le premier truc, on va faire le truc chiant tout de suite. Bon, ça va, c'est pas pire que les carambars. Hein. On va déballer les daims. Je vais regarder combien j'en ai et je vais les mixer, je vous dis. Hein. Je vais les mixer pour avoir des petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 30 daims. Je réfléchis, hein, comment je vais bidouiller ma recette. Je vais tous les mixer un petit peu. Alors je veux les mixer mais pour garder des petits morceaux, vous voyez. Donc je vais tout de suite faire ça. Je vais les mettre dans le robot et je vais... Alors moi c'est des petits cheesecakes que je vais faire. Si vous voulez faire cette version là en gros cheesecake, je pense que ça sera possible. Mais il faudra peut-être doubler les quantités. Parce que là moi je vais avoir 4 mini... cheesecake, 4-5 mini cheesecake peut-être. Hop là. Alors ça va, c'est pas pire que je prends un ciseau, je coupe un bout et j'appuie et ça sort. Donc ça va, pas pire que les carambars. Du coup j'ai mis les 30 daims dans le robot. Je vais mixer 10 secondes pour vitesse 7, c'est du caramel, c'est quand même assez dur. Attention, ça va faire du bruit. J'ai mixé 5 secondes vitesse 7 parce que comme je l'ai dit, je voulais garder des petits morceaux. Voilà, donc là c'est nickel. Je vais venir mettre mon beurre à fondre, donc 35 g de beurre. Alors j'ai pas rincé le bol parce que de toute façon je vais rajouter, ça va donner un petit goût de caramel et de toute façon je vais rajouter un petit peu après. Quand le beurre est fondu, on va venir rajouter nos
75 g de petit beurre. Et on va venir mixer pour réduire en poudre et mélanger avec le beurre. Donc je mets comme tout à l'heure, vitesse 7-5 secondes. J'arrive à la température. Hop. Et on y va. Donc là, c'est bien mélangé, c'est bien mixé. Je vais ajouter un petit peu, comme je vous ai dit, de daim mixé pour avoir cette texture un peu croustillante et caramélisée. Alors, je vais ajouter une grosse cuillère à soupe et une toute petite. Ouais. À peu près 2 cuillères à soupe normales. Hop, on va remélanger ça un petit peu. Alors, vitesse 4, j'ai mis 3 secondes, ça devrait aller. Je veux pas que ça soit trop remixé. Alors, j'ai pris des ramequins. On va venir mettre notre mélange dans le four. Alors, j'invente en même temps là. Je vais complètement. Je sais vraiment pas ce que ça va donner au résultat. Je sais même pas combien ça va m'en faire. Je pense peut-être 4, 5. Alors déjà je vais tasser ici pour voir. Mais bon là je pense que la base biscuitée avec les petits morceaux à l'intérieur, ça va pas être mal. Oui, il va y avoir les petits côtés caramel à l'intérieur là. En plus c'est super cher ça. Hein. En commerce c'était 3 euros je pense, ou 3 ou presque 4 euros pour 2 cheesecakes. Alors ils sont bons hein. Mais voilà. Quoique un petit peu écœurant. Vous en mangez un. C'était des petits formats, c'était suffisant. Ça fait comme les mousses au chocolat en fait. Hein. Vous en mangez un petit pot. Donc là je viens bien tasser dans le fond. Alors là on y va du coup pour la crème qu'on va mettre à l'intérieur, enfin le cheesecake. Moi, comme je vous ai dit, je pars sur la recette des cheesecakes au varoma, mais je vais un petit peu faire des changements. Déjà, je vais diviser la quantité par deux. Autrement, je vais avoir trop de crème et puis il ne me reste plus qu'un œuf. Donc, je verrai si j'arrive à remplir les civérines. Mais voilà. Donc, je rajoute, du coup, c'était 350 g de Philadelphia. Là, je vais mettre 175. Ensuite, il faut 60 g de yaourt nature. Moi, je vais mettre du coup du skyr. Et je vais mettre 30 g. Ensuite, 40 g de sucre. Donc moi, 20 g. Deux sachets de sucre vanillé. Donc un pour moi. Vous avez compris, deux œufs logiquement, un pour moi. Logiquement, il faut rajouter une cuillère à café de jus de citron. Moi, je ne vais pas en mettre parce que j'ai pas envie qu'il y ait ce goût citronné. Une petite pincée. Alors, du coup, moi, c'est une micro pincée. Hop, je le mets parce que je me dis que ça va bien avec le caramel du daim. Et ensuite, on met le gobelet doseur, enfin le couvercle avec le gobelet doseur, et puis une minute, vitesse 4. On mélange. Un robot au fouet. Au batteur électrique. Qui est faite, je vais venir la verser sur ma garniture, sur mon fond. Quantité, j'ai su en faire que 4. J'ai su que remplir que 4 verrines. Les deux autres, c'est pas grave, je vais les mettre de côté. Je vais les garder pour la prochaine fois. Enfin, ou je vais les mettre au congélateur, ou enfin, je vais voir. Ou je vais les rechercher. Je dois recevoir ma commande demain avec des œufs. Donc, ouais, peut-être que j'en referai demain. Je vais rajouter du Philadelphia aussi. Et enfin, bref, voilà, je vais pas jeter ou autre. Pire, on va la manger comme ça à la cuillère.
Donc du coup, j'en ai fait 4. Je les mets dans le bol du bar. On n'a plus qu'à lancer la cuisson, donc 25 minutes vitesse 1 à 120 degrés. Si vous n'en avez pas de robot, vous pouvez faire cuivapeur traditionnel. Vous voyez, sur un, dans un cuivapeur qu'on fait un panier au-dessus d'un bol d'eau, enfin voilà, d'une casserole d'eau, ça fonctionne aussi bien. Donc moi je mets pas forcément de film alimentaire en fait dessus. Ce qu'il y a, c'est que il faut faire attention quand vous enlevez le couvercle, il va y avoir plein de vapeur d'eau dessus, donc plein de petites gouttes d'eau. Si vous enlevez le couvercle et vous secouez, et ben tout l'eau va tomber dans votre cheesecake. Ce que je fais moi, c'est que je viens soulever délicatement comme ça le couvercle, et du coup l'eau coule tout le long de la paroi, voyez, et elle va directement dans le bol sans toucher mes cheesecakes. Allez, du coup c'est parti pour 25 minutes. Alors, le temps que les cheesecakes cuisaient, j'ai préparé le repas pour ce midi. Ce midi je vais faire des croissants au jambon. Alors c'est juste de l'assemblage, hein. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. On les trouve tout fait en magasin souvent, mais c'est vrai que quand on les fait maison, ça revient moins cher et c'est meilleur. Alors tout ce que vous devez faire, c'est une sauce béchamel. Donc moi ce que j'ai fait là, c'est un lait épaissi, comme je dis. En fait c'est du lait avec de la maïzena, du sel, du poivre. Enfin voilà, c'est pas la vraie béchamel sur le roux, vous voyez, avec le beurre qu'ils font, voilà. Quand j'ai pas le temps, je fais cette version là. Donc du lait que j'ai épaissi avec de la maïzena, du sel, du poivre, et moi ce que j'aime bien quand je fais ça, pour donner un peu de goût et pour pas que ça soit que du lait épaissi à la maïzena, j'ajoute un petit peu de fond de veau, ça donne un petit goût, ou un petit cube de bouillon de volaille par exemple à l'intérieur, ça donne un petit peu plus de goût à cette sauce qui est autrement insipide. Donc du coup ça, une fois que c'est fait, vous rajoutez du fromage dedans. Alors moi je mets de l'emmental, là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis de l'emmental à l'intérieur, une belle grosse poignée, pour avoir une sauce qui est un peu fromagère. Donc une fois que ça c'est fait, c'est tout ce que vous avez à faire en cuisine. Après c'est juste, vous prenez vos croissants, vous les coupez, vous venez les farcir avec un peu de sauce, du jambon, de l'emmental râpé, voilà. Et ensuite vous remettez de la sauce sur le dessus et de l'emmental râpé, et ça part au four. Voilà, tout simple. Donc moi je mets une demi tranche par croissant, et je compte 2 croissants par personne. Et on va manger ça avec de la salade. Allez go, je me dépêche parce que Angel, tout le monde n'est pas en week-end. Faut pas que je l'oublie. Au niveau de la cuisson, vous mettez 170 degrés pendant 10 minutes, en fait c'est juste pour faire réchauffer et faire fondre le fromage. Faut surtout pas trop les laisser trop longtemps, parce que les croissants autrement vont devenir un peu trop cuits. J'ai mes cheesecakes qui sont cuits, ils ont bien pris. Là maintenant on va faire le petit glaçage pour mettre au dessus au dain. Alors je vais faire un peu comme une ganache avec de la crème, et je vais faire fondre les dains à l'intérieur. Mais je vais pas tout faire fondre, il y en a certains que je vais garder pour avoir le petit côté croustillant aussi. Alors on va prendre de la crème liquide, on va compter 2 cuillères de crème par verrine. Donc là moi j'ai 4 verrines, donc je vais mettre 8 cuillères de crème dans ma petite casserole. Donc ça fait 8 cuillères, 8 fois 15, mince, 1, 2, attendez, je compte après parce que là je suis en train de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, alors, ça fait 120 ml en tout. J'ai rincé, séché ma cuillère. Je vais mettre sous balance, comme ça vous savez à peu près les quantités. Si vous n'avez pas la même cuillère que moi, voilà, c'est plus facile en grammes. Alors, on va compter une cuillère de je vais voir ce que ça donne avec une cuillère. Alors j'ai mis 120 ml de crème pour 60 g de d'un mixé ou pas mixé, hein, là vous savez pas. Et on va faire fondre ça. Doublé, voir ce que ça donne. Parce que je me souviens que la ganache c'est du temps pour temps. Donc du coup 120 g pour 120 g de, alors 120 ml de crème pour 120 g de dain. On va faire fondre ça ensemble. Alors il me reste du dain mixé. J'ai pas tout mis, hein, il m'en reste un petit peu. Il me reste l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Je vais les mettre à la dernière minute pour avoir les petits côtés croustillants.
sur le dessus, vous voyez des petits crunchs dans le ganache. On vient juste porter à ébullition. Ça s'épaissit, mais je me demande s'il ne va pas avoir quand même les petits crunchs, parce qu'il y a les petits morceaux qui restent. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, on pourrait peut-être tout faire fondre d'un coup, à voir. Comme je vous ai dit, j'improvise complètement là. Non, ça commence à fondre. Je vais les mettre après un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu après. Les plus gros, ils vont peut-être rester, mais... Donc là, on a nos petites bulles, c'est en ébullition, ça a quand même épaissi un petit peu. Voilà, on va pouvoir stopper la cuisson. Alors, au niveau des petits grains, vous voyez, ça, il en reste des tout petits bouts, mais voilà, les trois quarts, ils ont fondu quand même. On va attendre que ça refroidisse un tout petit peu pour pouvoir les mettre, mélanger ce qui me reste de dinde et pouvoir les mettre sur mes cheesecakes. Vous voyez, ça commence à prendre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu du reste de dinde mixé pour avoir ces petits crunchs dedans. Alors surtout, attendez que ça refroidisse parce qu'autrement, ces petits crunchs vont fondre. Hein, et nous, on veut les garder entiers. En fait, ils vont rester dans le fond. Je viens les recouvrir ensuite avec deux belles cuillères de crème sur le dessus. Enfin, de sauce. Il va falloir que j'aille en rechercher de la pastèque. Hein. Elles sont trop bonnes, les deux pastèques qu'on a achetées cette semaine, elles sont trop bonnes. Je pensais vraiment pas qu'elles auraient été aussi bonnes. Et là, Stacy en a déjà dégommé une. Elle va déjà en dégommer une deuxième. Mais elle adore ça. Mais c'est vrai qu'en plus, elle les a coupées dans un bol et du coup, ça se mange sans faim. Enfin, vous voyez, vous prenez le bol et vous mangez et vous vous rendez pas compte de ce que vous mangez. Bref, c'est que du fruit, hein, c'est pas... Donc là, on va attendre que ça refroidisse. Et Stacy vient de me donner une idée pour les derniers. Alors, à un moment, je faisais... C'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Hein, des verrines banana toffee. En fait, c'est avec du caramel beurre salé. Je mettais un fond de biscuit comme ça au fond. Je mettais ensuite de la banane, de la chantilly et du caramel beurre salé. Et là, du coup, je vais faire la même chose. Je vais mettre de la banane, chantilly et cette petite crème au-dessus. Ça va faire un effet, voilà, banana toffee d'un. Je pense que ça va être bon. Donc, ça va être le petit dessert de moi et Greg ce midi parce que Stacy, elle veut de la pastèque. Je lui dis, ben tant pis pour toi. J'ai mes lèvres qui ont gercé encore une fois. Enfin, c'est même pas gercé. C'est comme si que tout le haut de la lèvre, là, il était... Il avait été brûlé, enfin, ou je sais pas quoi. Et pourtant, je mets rien sur mes lèvres. Voilà, je ne comprends pas. Et ça me pique, mais à fond, quoi. Je sais vraiment pas... J'ai l'impression d'avoir pris ma lèvre, vous voyez, dans un truc là et que j'ai... J'ai pas fait de Botox, hein. On pourrait croire. Mais on va manger, du coup, avec de la salade. Alors, on va manger un peu froid parce que Angel et Stacy ont mangé, mais Greg a été reconduire Angel au boulot. Donc, du coup, moi, c'est un peu froid. Toi aussi, à mon avis, Greg. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon quand même. Stacy a mangé de la pastèque. Je sais pas si elle va encore en manger. On va être quitte à la rechercher. Du coup, petit dessert, le fond de biscuit, de la banane, un petit peu de chantilly et puis du coulis chocolat, carambar, là, enfin d'un. Voilà. C'était très bon. Alors moi, j'ai mangé trois bouchées et je l'ai filé à Stacy. C'est bon, mais c'est sucré. C'est trop sucré pour moi, quoi, en fait. Je suis vite écœurée par les choses comme ça, très sucrées. Hop. Parce que là c'était banane plus le sucre de la crème là. Le sucre j'aime bien, hein. Je dis pas que j'aime pas, mais en petite dose. Hop. Moi je vais mettre mes cheese au frigo, les filmer, les mettre au frigo et puis ensuite je vais aller. Alors tu m'as dit que c'était ouvert à hein, Action. Je vais aller jusque Action. Je vais aller voir s'il y a des boîtes, des grandes boîtes. Mais je pense que je vais aller sur celui en Belgique.
pour voir s'ils en ont reçu ou pas. En fait, je voudrais les trois formats pour voir ce que je vais pouvoir mettre dans telle boîte et dans telle boîte, calculer le nombre de boîtes qu'il me faut et ensuite aller en chercher, aller faire le plein quoi, en fait. Alors, c'est pour mon congélateur, au cas où vous avez pas vu, je voudrais complètement réagencer mon congélateur. J'en ai marre des sachets ouverts, des trucs et tout. Je vous avais expliqué l'histoire avec les petits pois que Angel avait fait tomber parce qu'il avait pris le mauvais côté du paquet qui était attamé. Donc voilà, je voudrais. Et puis les élastiques, ça pète dans le congélateur avec le froid et tout. Donc ouais, je me suis dit dans des boîtes, ça sera bien bien rangé. Je verrai un, voilà, je verrai tout d'un coup d'œil. Allez, je fais le ménage, je range ça et puis je nettoie ça. Alors, puis je vais y aller. Trouver le produit pour les fourmis, c'est ça en fait. Hop, ça fait un tube. Fais pas un coup, chérie. Avec un gel à l'intérieur. Ça, on a plus pour... Hop, avec un gel à l'intérieur. Alors le seul truc, c'est qu'on a peur avec les animaux. On veut pas que ils viennent les manger. Donc du coup, voilà, on sait pas. On a regardé sur le tube, il n'y a rien écrit. Il n'y a pas écrit si c'est toxique ou quoi. Je vais essayer de relire, mais... T'avais bien tout lu, chérie ? Avec les yeux, contact avec la peau. Ouais, en fait, il est bien écrit. Il est écrit « Appliqué seulement dans des zones protégées, inaccessibles des nourrissons, des enfants, aux animaux de compagnie, par exemple derrière ou sous les meubles, appareils électroménagers, afin de limiter au maximum le risque d'empoisonnement. » Donc du coup, nous, pour prévenir, parce qu'on a vraiment pas, parce que Luna c'est un chat, ça va partout, hein, donc j'avais des boîtes comme ça, des boîtes à hamburger en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trou à l'intérieur pour que les fourmis puissent passer. Vous voyez, une petite, comme une petite porte quoi en fait. Voilà, puis on va mettre le produit à l'intérieur comme ça, on est sûr, parce que bah, on va le mettre en hauteur pour Marley. Là, on va en mettre en haut aussi parce que comme je vous ai dit, elle monte. Mais on sera sûr, moi, pour Luna aussi, qu'elle va pas le l'ingérer. Ouais. En fait, c'est un gel transparent à l'intérieur. Alors, il est écrit que c'est un appât. Donc, ça détruit la fourmilière. C'est attractif, quelques gouttes de gel suffit, ils viennent le manger et ils le mettent à l'intérieur de leur nid. Ils vont faire ce qu'ils ont fait ce matin avec le vomito de Luna en fait. Répartir en 5 points de 6 gouttes. On verra bien. Je vous dirai s'il fonctionne bien. Mais une de vous m'en avait parlé et c'est exactement celui-là. Et elle me disait qu'il fonctionnait bien. En fait, ils disent qu'ils sont attirés par la peau. Les fourmis absorbent le gel et le transportent dans leur fourmilière qui est contaminée et entièrement détruite. Voilà, on va tester. Parce que là, franchement, là ce matin, c'était la goutte qui avait... J'en retrouvais encore un, 2, 3, mais je me suis dit, ah bah c'est bon, peut-être qu'il fallait le temps que... Parce que là, ce qu'on avait acheté, c'était ça. Mais ça fonctionne pas, quoi, ça. Hein. Elles vont même pas dedans, elles passent à côté, quoi. Oui, mais ça, c'était plus sécuritaire pour les animaux. C'est pour ça qu'on avait pris ça au début. Bref. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ouais, parce que comme je l'ai dit ce matin, c'était la goutte. Ça m'a répugné, mais bien grave. Alors, autre petit système pour les endroits un petit peu plus petits. Et puis ben, ça, c'est pareil, ça va être protégé au moins. C'est des petits pots de sauce qu'on avait achetés comme ça. C'est des petits pots en plastique. C'est ce qui se sert dans les friteries pour mettre de la sauce et tout. En fait, on va les retourner. Là, il a fait une petite encoche comme ça pour faire une petite porte. On va mettre le produit sur le couvercle, on vient fermer et on le met dans un endroit. Donc pareil, sécuritaire, parce que les enfants, ça va être dur à l'ouvrir. Et puis même pour les animaux, quoi, en fait. Il n'y a pas de danger au moins. Ouais, c'est comme un petit piège, en fait. Pas bien. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, on a fait 2 actions en Belgique, ils sont fermés. Alors Greg avait regardé pourtant sur internet, il y avait voilà, c'était écrit que c'était ouvert, mais donc du coup moi on va aller voir en France, mais on va aller à un autre que celui où on va d'habitude, parce que je me dis que il n'y a pas dû être livré depuis qu'on a été, en fait. C'était vraiment pour les grands bacs que je voudrais voir pour essayer de les trouver. Donc on va voir, et après moi on rentre à la maison, on va juste aller là, parce que
toute façon, il y aura du monde dans les autres magasins. Donc, puis toi, tu veux faire quoi? Planter, c'est ça? Faire du repiquage? Ouais. Bah, j'ai trop mal aux lèvres. Trop mal. On dirait que j'ai fait du Botox. Tu trouves pas? Non. Tu fais des grosses lèvres, regarde. Non. Non? Ça te dit pas? Non. Bah, on est rentré. Alors, j'ai pas trouvé les grandes boîtes. Là, il y avait même pas l'étiquette. Donc, je sais même pas s'ils les font ou pas. Mais bon, j'ai repris du coup. Je me suis dit, au pire, je mettrai dans deux boîtes si ça passe pas. À mon avis, un kilo de. Mettons d'haricots verts, ça passe pas. Je mettrai dans deux. Hop, donc j'ai repris des tailles 1,5 litre, 1,5 litre et 75. Ensuite, on a pris des sacs poubelles parce que nous, il faut des 60 litres. Et il n'y a que là et en Belgique qu'on les trouve. Et je me suis pris un petit... il était en promo pour mettre dans mes cheveux quand je fais mes soins. Et Greg s'est acheté ça pour tester. Il y a vu, enfin, j'avais vu une vidéo qui nettoyait la voiture avec. Et il paraît que ça était nickel. Donc il va tester. Voilà, c'est un produit en plus 98% d'origine naturelle et tout. Donc voilà. Pour nettoyer les plastiques, puisque demain Marley rentre. Mais nous, comme c'est un plastique un petit peu granuleux, ça se met à l'intérieur. Et Marley, avec ses pattes pleines de gadou, il nous en met partout. En fait, l'appât pour les fourmis attire. Alors maintenant, faut voir si ça va les tuer, mais ça attire bien. Elles sont en train de. Ça me dégoûte, moi. Bref. Allez, je vais ranger ça et puis je vais boire un petit café avec un petit morceau de cake qu'on a fait hier, un petit morceau de marbré. Alors, il est comment, chérie, le marbré? Il est bon? J'ai préparé du pain pour ce soir, j'ai préparé des dinner rolls. Vous voyez les petits pains tout mous là qui ont fait un cuir en plaque? C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça fait des petits pains, limite un peu petits pains briochés qu'on fait cuire en plaque sur le... et qu'on mange un petit peu de cheddar. Donc voilà, je vais faire ça ce soir avec mon ragoût de pois chiche au chorizo. Là, le temps que le pain lève, je vais monter, je vais aller faire mes portes. C'est la zone de la semaine en fait, les chambres. Donc je vais aller faire les portes et je vais aller donner un petit coup de plumeau sur les plafonds. Comme ça demain, je ferai les vitres et les tentures de... un petit peu des trois chambres, enfin de toutes les pièces quoi en fait, un petit peu à la fois. Bon allez, après comme je vous ai dit, j'aurai le week-end aussi pour finir, mais je pense que c'est tout ce qui me sortait de d'habitude, enfin tout le reste ça a été fait, les sols, les poussières et tout, tout ça, ça a été fait, il me restait les fenêtres et les rideaux, ouais c'est ça, donc bah, je ferai ça, et puis changer encore les draps d'Angel et nettoyer sa couette aussi, et ça je le ferai demain. Bon allez, on y va, on va prendre sa tête de loup, son petit chiffon, son produit, et on va aller faire les poussières, enfin les trucs, les fourmis là. En fait, elles sont attirées par celui d'en haut, hein, surtout. Ah ouais, ouais. J'espère que ça va fonctionner, hein, parce que là, quand je les vois monter comme ça, merde. Alors, je sais que je dois pas les écraser, parce que c'est celles qui reviennent du... C'est vrai? Ah ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il doit tout galafrer. Ah ouais, en effet. En fait, il y en avait mis dedans. T'en avais mis, t'es sûr? Ah oui, j'en regarde. On avait fait en fait un système avec un petit trou comme ça. J'avais mis site aussi. Ah bah ouais, on voit les taches à l'intérieur. Ah, ils ont tout mangé. Et là, ils sont partis en chercher du coup dans les autres. En fait, sur la notice, il est écrit qu'il fallait mettre à 5 endroits différents de la maison. Donc elles ont pris celle qui était juste à côté du nid. Et là, elles sont parties chercher un petit peu plus loin. Urk. Ça y est, les portes sont faites, les plafonds sont faits. C'est horrible, toutes ces fourmis. Urk. Bon, en même temps, ça les, du coup, le centralise sur un seul endroit. Et j'en trouve plus partout, quoi. Mais, ouais. N'empêche, il doit en avoir en dessous. Pas mal. Allez, je vais bosser un peu sur le PC. Pratique avec ces petits pains, c'est que c'est des petits pains qu'on peut manger tchèd, c'est même mieux. Bon, ils sont très bons froids et ils se conservent très bien, hein, mais voilà, ils sont encore meilleurs tchèd. Ils vont très vite du coup à faire, il n'y a pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Si vous faites un peu tiédir le lait
et l'eau, la pâte en même pas une heure, enfin même pas une demi-heure, elle a doublé. Donc c'est bien quand le soir vous voulez faire un repas et que vous n'avez pas de pain. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça refroidisse en fait. Et c'est un petit pain qu'on peut servir aussi bien en sucré qu'en salé. C'est une recette que j'utilise beaucoup aussi pour faire des petits pains garnis. Donc comme ça en plaques, donc vous allez voir, hein, je vais les mettre côte à côte. Et ensuite, quand je la démoule, une fois qu'elle est cuite, je la démoule, j'attends qu'elle refroidisse un petit peu dans ce cas-là. Alors je la fais cuire mais en sous-cuisson. Enfin vous voyez, je la fais pas complètement dorée. Et je viens les couper. Je viens couper la plaque dans la longueur. Il y a plusieurs recettes comme ça de petits pains garnis sur le blog. Et vous venez les garnir. Donc j'ai une version juste avec de la dinde et du fromage. J'en ai une à version un petit peu mexicaine aussi. J'ai une version avec de la viande hachée, un peu comme un burger. En fait, vous venez couper les petits pains donc dans l'épaisseur, et à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez, vous remettez le petit chapeau au-dessus et vous les passez au four avec une petite garniture au-dessus, une petite... J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si j'oublie pas, mais autrement vous regardez petits pains garnis sur le blog, vous allez en trouver. Et les enfants adorent, et vous pouvez les faire aussi en mini quand vous faites des buffets par exemple. Vous pouvez verser comme si vous mettez directement la plaque sur votre buffet et les gens viennent se servir. Bon, je vais former mes petites boules. J'ai trop mal aux lèvres encore une fois. Je sais pas, à chaque fois, je n'avais jamais, mais alors jamais les lèvres gercées quoi en fait. Et là en ce moment ça arrête pas, je sais pas pourquoi ça... Puis bon, c'est souvent on a les lèvres gercées en hiver quoi. Là, c'est même pas gercé en fait, c'est qu'elles sont irritées, c'est ça. C'est comme si j'avais tout le haut qui avait été brûlé. Hop. Alors, divisons. 951 divisé par... Alors quand c'est comme ça, je ruse, je demande à Echo. Echo, combien fait 900? Désolé, pourriez-vous répéter le calcul s'il vous plaît? Combien fait 951 divisé par 12? 951 divisé par 12 est égal à 79,25. Suffisait de demander. Alors, vous voyez, je les mets dans un plat comme ça. Alors, espacées, mais elles vont gonfler, elles vont venir se toucher. Hein. Je vais les mettre sur avec un torchon dessus. En une demi-heure, elles vont avoir doublé de volume et je vais pouvoir les enfourner. Alors, on les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit un petit peu doré. Et juste avant à la sortie du four, vous venez les badigeonner avec du beurre fondu. Ça va nourrir le petit pain et du coup bah, après on dirait des petits croissants quoi, en fait, quand vous les mangez. C'est vraiment très très bon et parfait pour un plat en sauce comme on va faire le temps soir. Que les petits pains cuisent, on va pouvoir faire gonfle et cuisent, on va pouvoir faire notre ragoût de pois chiche. Vous allez voir, c'est une recette qui est très rapide. Alors il y a du chorizo mais il n'y a pas énormément de viande, donc c'est plus ou moins une recette qui est un peu économique. Elle est très riche du coup en protéines parce qu'il y a beaucoup de pois chiche. Alors après moi je vais la faire en version ragoût, donc avec un peu moins de sauce en fait, de jus, mais vous pouvez aussi la faire en version potage. Je l'ai déjà fait, on a vraiment aimé, en mettant plus de bouillon. Voilà. Alors pour ça, pour les ingrédients, on va avoir besoin d'un chorizo qu'on coupe en... Alors moi je l'ai coupé en assez grosses rondelles pour avoir des gros morceaux. On va avoir besoin de bouillon, 500 ml de bouillon de bœuf ou de poulet, de volaille, ouais c'est mieux, de la volaille. Du paprika fumé, alors vous pouvez le remplacer par du paprika normal, mais ça va rappeler le goût du chorizo. On va mettre à peu près une cuillère à café, à doser en fonction de vos goûts. Du thym séché, on a une cuillère à café, on a du paprika fumé, je vous l'ai dit, du sel, du poivre, gousse d'ail, 4 gousses d'ail, à peu près 800 g de pois chiche en conserve qu'on va venir égoutter et rincer, 2 feuilles de laurier et 2 boîtes de concassé de tomates en dés. Il va falloir aussi de l'huile d'olive. Alors je pense que je vous ai dit, je vous ai tout dit, le chorizo, l'ail, le thym, le paprika, les feuilles de laurier, les tomates, les pois chiches, le bouillon, du sel et du poivre. Huile d'olive, j'ai fait revenir mes chorizo. Quand ils commencent à être dorés, on ajoute du coup nos petites épices, l'ail qu'on a pressé, le thym,
on va mettre le paprika. Oups là, une cuillère à café de paprika. Le sel, le poivre, les feuilles de laurier. On va faire revenir un petit peu le tout. Ah, tout de suite là, ça sent trop bon. Ça, c'est mon petit péché mignon, le chorizo chaud. On va ajouter, hop, les tomates concassées, donc les deux boîtes. Le bouillon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau, hop, pour récupérer le fond. Voilà. Et je mets du coup le bouillon. Alors pour les cubes, moi je compte un cube pour 250 d'eau. Et on va faire cuire déjà un petit peu tout ça. Puis après on va ajouter les pois chiches. Donc je vais faire cuire ça 5 minutes, le temps que mon bouillon soit bien chaud. J'ai mes petits pains qui ont doublé de volume. Vous voyez là, ils commencent déjà à se toucher. Et après, il y aura pratiquement plus de trous tellement qu'ils vont gonfler. Je vais les enfourner. Donc du coup, on les enfourne. Tout à l'heure, je vous ai dit pendant 20 minutes. 20 minutes à 180 degrés. Une fois qu'on a l'ébullition, on va ajouter les pois chiches. On va reporter l'ébullition et ensuite on baisse le feu et on fait cuire pendant une quinzaine de minutes le temps que la sauce épaississe un tout petit peu et que les pois chiches soient bien chauds. Ouf, à tes souhaits. Donc je reporte l'ébullition et ensuite je baisse le feu et je fais cuire 15 minutes. Alors, les petits pains étaient cuits, donc ce que j'ai fait, je suis venue comme je vous ai dit tout de suite à la sortie du four badigeonner un petit peu de beurre. Et voilà, on va attendre qu'ils refroidissent un tout petit peu, qu'ils tiédissent un petit peu, mais ils sont prêts à manger. Puis ça leur donne un beau côté brillant, en fait, je sais pas si je vais vous montrer de plus près, le fait de mettre du beurre dessus. Et puis, du coup, vous mettez rien dessus, vous les mangez comme ça, quoi, en fait. Et on économise un œuf parce qu'il n'y a pas besoin de les dorer. Et en ce moment, hein, bon, quoique le beurre n'est pas beaucoup moins cher que l'œuf. Je vous montre de plus près, ça leur donne une belle couleur bien brillante. Et il y a des moments, je mets un petit peu de fleur de sel ou d'herbe au-dessus. Mais là, je vais rester nature comme ça. Parce qu'on a pas mal de saveurs dans le ragoût. Alors, vous voyez, là, ça commence à bien s'épaissir. Oups. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose d'un peu plus souple, vous mettez un peu plus de liquide, un peu plus de bouillon. On va manger. Donc du coup, je vous montre les petits pains. Regardez-moi ça. Piouf. Ils sont tout mous. Et le petit ragoût avec les chorizo et les pois chiches. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Comme je vous ai dit, on va manger. Après, Greg va aller rechercher son fils. Et puis, petite douche. Je vais finir de monter la vidéo aussi. Répondre à vos commentaires. Et puis après, ça va être un petit peu de télé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain on est vendredi, oui, demain je vlog. À demain.